Halt. Hola. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la Croisée des Chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent. Ardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée de Téméria? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici? On s'est fait massacrer par les escadrons noirs. On a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. De Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalité font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Volteste mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. La santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Velen? Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver, et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants. À tout le moins. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le
deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Quand tu veux, je peux jouer encore. Siri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage.